Bonjour Enora. Avant de démarrer, dites-nous ce que représente ce concours pour vous. Moi, il représente beaucoup parce que les concours comme ça qui donnent la parole à des lycéens comme nous et qui nous permettent de nous exprimer sont rares. Et du coup, ça nous donne une opportunité exceptionnelle. Donc, ça représente vraiment beaucoup. Exécuter. Voilà comment aujourd'hui, des centaines de personnes sont destinées à mourir. Alors ici, en France, la peine de mort a été abolie en 1981 grâce à de grands avocats et hommes politiques tels Robert Badinter. Et aujourd'hui, nous, jeunes Français, avons du mal à imaginer qu'il n'y a pas si longtemps encore, dans notre pays, on condamnait des êtres humains à mort. Et pourtant, dans le monde, la peine de mort est légale et appliquée dans encore un tiers des pays. Aux États-Unis, comme en Floride ou au Texas, en Chine, au Pakistan, en Irak, en Iran. L'Iran qui compte 977 victimes en 2017, dont 89 mineurs, ce qui met ce pays en deuxième position au titre du plus grand nombre d'exécutés par an. Et parmi ces victimes se trouvait Alireza Tadjiki, un jeune Iranien puni parce qu'il a été surpris en compagnie d'un autre homme. Et oui, dans de nombreux pays encore, l'homosexualité est qualifiée de viol et punie tel un crime. Vous vous souvenez peut-être, en 2017, Adrien Clanchet a déjà défendu Alireza Tadjiki, ici même, plaidant sur la cause de son arrestation, l'homosexualité. Aujourd'hui, quant à moi, je voudrais dénoncer la sentence qui lui a été appliquée. La peine de mort. Alireza Tadjiki, du haut de ses 15 ans, l'âge de votre fils, mon âge, n'a même pas pu se défendre, ni même contacter un avocat. Son dossier est passé au tribunal très rapidement, le juge ne lui accordant à peine un regard ou une intention. Il a été condamné à l'emprisonnement il y a maintenant 7 ans, alors qu'il n'était qu'un mineur. Et là-bas, on l'a soumis à des tortures horribles pour lui extorquer des aveux. Mais l'Iran est-il au courant que la peine de mort et la torture sont des crimes internationaux ? Est-il en connaissance des textes tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, rédigée par l'ONU, prévoyant explicitement que chaque homme a droit à la vie et que nul n'a à être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ? Si oui, l'Iran fait ici manifestement preuve d'un mépris flagrant envers la justice et les droits de l'homme. Alireza Tadjiki, qui voulait tout simplement vivre comme vous et moi, voit sa vie réduite à néant à cause de ce gouvernement et avec une seule question en tête. Quand vais-je mourir ? N'est-ce pas là une torture mentale absolument inhumaine ? Sa date d'exécution a été repoussée à deux reprises, la première date officielle étant le 15 mai 2016. Elle a été décalée grâce à une mobilisation mondiale et grâce à Amnesty International qui a envoyé une lettre au président iranien, Hassan Rouhani, lui demandant d'annuler la sentence. Et cela fut une victoire pour les militants. La date a bel et bien été décalée, provoquant une vague d'espoir dans le monde. Cependant, le 11 août 2017, malgré cette mobilisation internationale, Alireza Tadjiki fait face à son destin tragique et rend son dernier soupir en fin de matinée, seul, la nuque brisée. Alors souvent, on dit qu'un homme emprisonné coûte trop cher à l'État et donc que la peine de mort est une bonne solution. Mais d'après Paola Mitchell, avocate à Los Angeles, un homme emprisonné à perpétuité coûte en réalité à l'État 3 fois moins cher qu'un homme exécuté. Souvent, on dit que les condamnés sont des personnes responsables et saines d'esprit. Mais savons-nous que de nombreux mineurs, c'est-à-dire des personnes n'ayant pas atteint la maturité psychologique, sont exécutés chaque année ? Souvent, on dit que la peine de mort est efficace contre le terrorisme. Avec la montée de celui-ci, de plus en plus de pays ont recours à cette pratique. Mais comment peut-on avoir un impact sur des terroristes qui sont en mission suicide et dont la mort est voulue ? La seule chose que l'on peut obtenir, c'est de faire une promotion pour leur organisation et par conséquent leur attirer plus de partisans. Souvent, on dit que la peine de mort permet de diminuer la criminalité dans une société. Mais plusieurs études montrent qu'au contraire, l'instauration de la peur est inefficace et n'a aucun effet de dissuasion. Souvent,
On dit qu'un criminel ne mérite que la mort. Mais n'est-ce pas là un simple et primitif désir de vengeance? Un sentiment nous aveuglant et augmentant le risque d'exécuter un innocent? La notion de justice est ici bien loin. Or la justice doit primer sur la vengeance. N'est-il pas plus honorable, plus digne, d'essayer de faire d'un criminel un citoyen civilisé, d'essayer de le ramener sur le droit chemin et de le réinsérer dans la société? Et puis à la limite, pour les plus dangereux d'entre eux, il existe de nos jours des moyens de les isoler de la population. Mais dans tous les cas, l'exécution à mort n'est jamais une réponse appropriée. Je suis convaincue qu'Ali Reza Tadjiki ne méritait pas cette sentence et qu'il devait rêver d'un avenir radieux. Aimer, respirer, vivre. Mais la nuit est tombée pendant sa 15e année et le gouvernement iranien lui en avait prévu un tout autre. Un avenir sombre, résumé de torture, de pleurs, de peur. Alors, j'entends déjà certains murmurer que la peine de mort devrait être au moins applicable pour les cas les plus extrêmes, comme les homicides volontaires. Je leur répondrai qu'il est paradoxal de condamner un crime par un autre. De dire à sa population « Ne tuez pas, c'est mal. » Et pour vous montrer l'exemple, eh bien, c'est ce que l'on va faire. Un gouvernement est censé défendre son peuple, le protéger. Est-ce en se croyant supérieur aux hommes et en pensant avoir le droit de vie ou de mort sur l'un d'eux que cela va le rendre crédible auprès de ses citoyens? Victor Hugo le disait, la peine de mort est un signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Je trouve cette citation en parfaite adéquation avec l'objectif de ma plaidoirie. Comme Victor Hugo, je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort, à la différence près que je la vote à un niveau international. Il est très difficile de se sentir concerné par un problème qui ne nous touche pas directement, mais qui concerne des gens qui sont loin de nous. Cependant, le monde entier s'est déjà mobilisé en 2016 pour empêcher les autorités iraniennes à commettre l'irrémédiable. Au Pakistan, Asia Bibi, jeune mère de 5 enfants qui a été condamnée à mort pour blasphème en 2010, a été acquittée grâce à cette mobilisation internationale il y a 3 mois. Voilà des preuves incontestables qui font que je crois en vous, que je crois en nous, pour continuer à nous rassembler, à nous exprimer, à nous mobiliser et à nous battre contre cette injustice qui a emporté Ali Reza. Faisons vibrer l'humanité qu'il y a en nous. Je voudrais conclure avec ces quelques mots d'Albert Camus. Ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la peine de mort ne sera pas mise hors la loi. Merci. Je vous laisse admirer les dessins d'Emmanuel Chenu.